Vous priez de vous mettre debout. Nous allons prendre une écriture parce que je voudrais vous demander une faveur ce matin. Parce que je voudrais vous demander une faveur ce matin. Dans Jérémie chapitre 29:7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Priez l'Éternel en sa faveur. En la faveur de cette ville-là. Ok. Nous lomba yi Yehova bwangasa wa chochimengachi. Nous lomba la Zambie. Nous lomba la chimengachi Zambie. Parce que votre bonheur dépend du sien. Parce que votre bonheur dépend du sien. Balwa disangadieno ndila dila kudulu. Oh là là. Kudichimengachi. Parce que votre bonheur dépend du sien. Balboa disangadieno ndila dila kudichimengachi. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Zambi abenisha kubalwa didende nmokusombela ihanshi. Je pensais que nous puissions prier ce matin. Ndi mulu njinga bwani tumana mokusambela kumudindemo pour notre nation. Bokusambela bwaditunga dietu. Parce que vous savez que nous traversons une période de trouble. Comme ça s'est fait partout. Après une période électorale, il y a toujours la suite qui n'est pas en rose. Matuku atalonda kaya kalani na nanga mimpa nasha. Comme vous l'entendez. Bumunu yakala numva. Comme vous êtes connecté, vous avez toutes les informations possibles. Bunudi bikala nu heta ngumu yonsu idimigala yenzeka ni munu bikala munga chumwa dende di bilondesha. Nous nous sommes chrétiens. Kadi tuwe tu tulibene kilisto. Et je crois que chacun de vous aime son pays. Ndimanyi umonyu mwenu yonsu munanga ditunga jende. Aime sa nation. Munanga chisamba jende. Alors j'ai voulu m'inspirer de cette écriture. Kime mkujinga mwaku heta busonso di kumufundu ewu. Parce que ce sont des paroles que Jérémie a adressées aux enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont allés en captivité en Babylone. Il devait rester là 70 ans. Et il ne pouvait pas bouger de cette nation. Pendant 70 ans. C'était comme chez eux. C'était comme leur pays. Alors Jérémie envoie un message prophétique. Un message prophétique. Jérémie envoie un message prophétique. Et il dit à ces gens-là. Il dit, cherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Donc, vous allez remarquer que c'est le ainsi dit le Seigneur. Alors, le Seigneur voudrait que les enfants d'Israël cherchent le bien de la ville qui les a accueillis. Dans la traduction de la Bible Martin, on dit, et chercher la paix
de la ville dans laquelle je vous ai fait transporter. Cherchez la paix de la ville dans laquelle je vous ai fait transporter. Et priez l'Éternel pour elle. Qu'est-ce qui se passe? Priez l'Éternel pour elle. Priez l'Éternel pour elle. Nous lombai Yehova boadine di tungadi. Nous dilombai l'Anzambi. C'est très facile comme ça, non? Priez l'Éternel pour elle. Nous dilombai l'Anzambi. Parce qu'en sa paix. Vous aurez la paix. Donc vous voyez la paix de ce pays-là. Votre paix dépend de la paix de ce pays-là. Darby, lui, il traduit le même verset. Il dit, et cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté. Et priez l'Éternel pour elle. Dans sa paix sera votre paix. Voilà pourquoi je me suis inspiré de ces écritures pour vous demander, avec tout l'amour que vous avez pour votre pays, pour votre nation, que nous puissions prier pour notre pays. Vous savez, quand Jérémie disait ça, il y avait des gens qui ne voulaient pas, qui cherchaient pendant 70 ans, qui cherchaient tous les malheurs de Babylone. Donc il y avait tout le temps les gens qui cherchaient le malheur de Babylone. De Babylone. Et ils ne savaient pas qu'ils devaient rester à Babylone pendant 70 ans. Il devait rester à Babylone pendant 70 ans. Donc il devait chercher la paix de ce pays-là. Ils étaient étrangers, ils étaient accueillis par ce pays-là. Alors il devait chercher la paix pour qu'ils vivent en paix. Amen. Amen. Alors, nous remarquons que nous aussi, comme chrétiens, nous sommes dans ce pays. Mais la Bible nous dit que nous sommes des pèlerins et que nous avons une ville véritable de l'autre côté. Vous dites amen. Mais pourtant, c'est cette nation qui nous a accueillis. C'est cette nation dans laquelle nous allons passer le reste de notre vie terrestre. Bien que réellement, nous sommes des citoyens célestes. Nous avons une ville céleste. Frère Banam dit, nous sommes des concitoyens des anges. Il dit, concitoyens des anges. Il ne dit pas que nous sommes des anges, mais nous sommes concitoyens.
Okay. C'est difficile. D'accord. Tout le monde a compris. Donc nous sommes concitoyens des anges. Maintenant, quand vous regardez, nous sommes des pèlerins. Mais notre paix dépend de la paix de cette nation. Si la nation est en paix, nous pouvons adorer notre Dieu en paix. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'adoration de notre Dieu. Mais pourtant, nous sommes dans ce pays. Nous sommes dans cette nation. Et la Bible déclare, cherchons la paix de cette nation-là. La paix de la nation qui nous protège. Vous savez, Frère Banam dit, dans l'amnésie spirituelle, Frère Banam dit, maintenant, nous remarquons qu'en tant qu'Américain, je dois m'identifier à ma nation. Il dit, écoutez attentivement. Il dit, pour être un Américain, remplacez Congolais par l'Amérique. Comme je suis né ici dans ce pays, je suis donc un citoyen. Et je suis identifié à cette nation. Tout ce qu'elle est, je le suis. Tout ce qu'elle a été, je le suis, car je suis identifié comme Américain. Alors, toute sa honte, c'est ma honte. Toute sa gloire, c'est ma gloire. Tout ce qu'elle est, je le suis, parce que je suis identifié à elle. Frère Banam dit, j'aimerais que vous saisissiez cela. Vous ne pouvez pas être un Congolais et chercher le malheur de votre nation pour vos propres intérêts. Il y en a qui veulent que les choses s'embrouillent parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte dans les élections. Mais ça, ce n'est pas notre désir de chrétien. Notre désir comme chrétien, nous voulons la paix dans notre nation. Il dit, j'aimerais que vous saisissiez cela. Mes frères, ce sont des choses très importantes. Parce que si vous vous mettez avec des colis sur la tête, vous commencez à monter, descendre, vous n'allez pas chanter Alléluia ici. Demandez aux frères de l'Est. Ils en savent plus que nous.
Donc nous avons besoin de chercher la paix dans notre nation. J'aimerais que vous saisissiez cela. Je suis identifié comme américain. Alors tout ce qu'elle était, je le suis. Tout ce qu'elle est, je le suis. Je dois en faire partie. Si je suis un citoyen américain, je suis une partie de l'Amérique. Et tout ce qu'elle est, je le suis. C'est drôle de trouver des chrétiens qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans leur nation. Non, ça ne nous regarde pas. Ces affaires-là, ce sont des affaires politiques. Si vous ne vous occupez pas de la politique, la politique s'occupera de vous. Donc, quand il n'y a pas la paix, nous n'allons pas évangéliser. Je sais bien sûr qu'il y aura une période où l'Église sera persécutée. Mais nous connaissons comment cette persécution va venir. Et par qui cette persécution va venir. Pour le moment, il ne s'agit pas de là, de ça. Frère Banam dit, je ne dois jamais oublier ceci. Je ne dois jamais oublier ceci. Si je veux rester un vrai citoyen américain, je dois me rappeler que je suis ce que est ma nation. Parce que je suis identifié à ma nation. Écoutez maintenant ce qui suit, c'est très important. Il dit l'oublier, ou plutôt, combattre pour elle, ou mourir pour elle, ou soutenir tout ce qu'elle soutient, je dois soutenir cela. Ce que est ma nation, je le suis. Ce qu'elle défend, je le défends. Pour être un Américain loyal, écoutez bien, ça c'est Branham qui le dit. Pour être un Américain loyal, je dois être prêt à mourir pour elle. Pour combattre pour elle, la défendre, faire tout ce qu'il y a à faire, je fais partie d'elle.
Nous, en tant que chrétiens, je ne vous dis pas d'aller prendre les armes, mais je dis que nous avons une seule arme, c'est la prière. La prière change les choses. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur nation. En 2001, j'étais aux États-Unis. Quand il y a eu le 11 septembre. Vous connaissez ce qui s'était passé. Maintenant, c'était le président Bush qui était président à ce temps-là. Président Bush. Il a fait un discours à la nation. Et il avait dit quelque chose qui, jusque maintenant, ça avait captivé mon attention. Il disait, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est à cause des Américains sur papier. Des Américains sur papier. Ben America Bahama Beji. Ils n'aiment pas l'Amérique. Qui ba yibananga America nash. Ils viennent. Bajibi. Nous leur donnons des papiers. Tumbehesha mabeji bokugela bobina America. Ils sont ici. Bashala basomba mwetu munemwe. Mais ils n'aiment pas l'Amérique. Kadi kimbananga America to. C'est ça le problème que nous avons. Quelqu'un qui aime bien sa nation ne cherchera pas le trouble pour sa nation. Au or, il y a des gens comme ça. Et nous, notre paix dépend de la paix du pays qui nous a accueillis. Frère Banam dit aussi quelque chose. Toujours dans la même prédication. Au paragraphe 31. Il dit, vous ne pouvez pas vous en prendre à elle sans vous apprendre à moi. Vous ne pouvez pas vous apprendre à... Vous ne pouvez pas vous en prendre à l'Amérique. Wamani kwenu mokulenga Amérique. Sans vous en prendre à moi. Kuyimundenga mema brana manashi. Lorsque vous dites quelque chose contre elle, dibedidi wamba chintu chibi wamba Amérique. C'est contre moi que vous le dites. Mumuni chintu achi wudu uchamba mema. Car je suis un Américain. Dire cela contre vous en tant qu'Américain, ceux qu'ils disent contre cette nation, c'est contre vous qu'ils le disent. Car vous en faites partie. Il dit, ne l'oubliez jamais. Lorsque vous l'oubliez, alors vous avez l'amnésie. C'est assez sûr. Et rappelez-vous, vous n'êtes plus un citoyen américain quand vous ne pouvez plus en être une partie. C'est quelle Amérique? C'est ce que vous devez aussi être. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère Banam a dit
Une autre chose qui m'a beaucoup intéressé. Mwane tu bama mwamba chikuwa buchintu chimbo musanga kabidinachi bikol. Je parle un peu, je vais compris pour notre pays vraiment. Njinji nga bulelele ni nga kula kubikesi mwane tu mwana mwakusambile ditu nga dietu mene mene. Il dit dans le Dieu puissant de voiler devant nous. Munzambi wabukola musokolola kwetu. Au paragraphe 183, il dit, si je suis un véritable Américain, j'étais identifié au Tea Party de Boston. Tea Party Boston. Dites seulement comme ça, je vais expliquer. Okay. Il dit, si je suis un véritable Américain, j'étais identifié au Tea Party de Boston. Tea Party de Boston. Ok. Lorsque nous avons refusé de nous laisser rouler, Eh bien, étant un véritable Américain, j'étais identifié à cela là-bas. Oui. Oh là là. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'il appelle le Tea Party de Boston? Vous savez que l'Amérique était colonisée par les Anglais. Donc, l'Amérique, pendant ce temps-là, parce que la grande partie des blancs qui ont formé l'Amérique ont quitté l'Europe et ils sont venus accoster à Boston. Quand ils sont arrivés là-bas, ils étaient sous la colonisation des Anglais. Alors, maintenant, il cherchait comment se développer. Et il y a eu une affaire de thé, le thé, ce que vous appelez le thé, chai. Maintenant, l'Amérique, il devait exporter contre la cigarette. Maintenant, les Anglais ont voulu, comme l'Amérique était sous leur domination, ils ont voulu imposer des taxes. Et ces taxes-là ne permettaient pas au gouvernement américain de se développer. C'est ce qui a même créé la guerre. Cela a créé la guerre. Parce que l'Amérique voulait s'affranchir. Il voulait s'affranchir de l'Angleterre.
Bujinga bwani ahatuka kubuhika bwa bangle. Nous ne pouvons pas payer d'argent comme ça. Nous devons développer notre pays. Mais tout ce que nous avons, ça ne fait que rentrer chez vous. Ça ne fait que rentrer chez vous. Non. Alors, ils ont engagé la guerre. Une guerre économique. Vita ya bubanji bwaditunga pour s'affranchir bwani bahatuka mumonjao parce qu'il voulait réellement développer les nations. Walba bova bajinga bwani ditunga diabo dilubuluka dia kumpala. Or vous voyez que c'est vraiment similaire. Kadi nunu mona ni mbiabike bokufana na ni biet avec notre cas. Ni biet bidi hanshib. Les gens là, ben toi, ils veulent tout prendre. Ben, les multinationales. Ben, multinationales. Frère, ça ce n'est pas une question politique. Donc ne soyez pas plus bas pour dire que passer par. Non, je parle de votre propre vie. Ça c'est gens qui engagent certains Congolais pour les propres intérêts de ces Congolais-là. Mais pas pour l'intérêt général. Alors l'Amérique a dit, ça ne paie pas aller comme ça. Même pour prendre les armes, nous allons prendre les armes. C'était une guerre économique. Il voulait se libérer parce qu'ils aimaient leur nation. Et quand ils ont commencé, ils avaient l'amour de la nation. Et les Anglais ne pouvaient rien contre eux. Et ce qu'ils devaient envoyer en Angleterre, et rester en Amérique et ça développer l'Amérique. C'est pourquoi Frère Branham dit, eh bien, étant un véritable Américain, j'étais identifié à cela là-bas. Il n'était pas là. Il n'était même pas encore né. Mais il dit, j'ai créé. J'étais d'accord.
Frère Branham fait une déclaration. Moi, pas de dit du il dit que vous savez ce que je vous dis ici, c'est au-delà de la politique. Parce que Frère Branham n'était pas d'accord. D'après la parole, qu'on puisse élire Kennedy parce que Kennedy était un catholique. Et les catholiques sont toujours prêts à trahir. Regardez dans notre pays. Qui vous veulent du mal? C'est les catholiques. On parle de la gratuité de l'enseignement. Mais ils refusent. Alors que le prêtre n'a même pas un enfant. Oh là là, je ne vais pas sortir de ça. Que Dieu me garde, j'ai vraiment prié pour que je reste dans le contexte des choses que j'ai dit. Donc, Frère Branham maintenant dit, il dit ce que je vous dis maintenant. Il dit de tout ce temps, il y a 28 ans, je ne parlais pas de la politique. Mais maintenant, j'en parle. J'en parle. Parce que c'est au-delà de la politique. C'est-à-dire qu'il y a de grands enjeux. Donc l'élection de Kennedy, ça devait faire de grands enjeux pour l'Amérique. Alors il dit c'est au-delà de la politique. Il dit je parle cela à cause du ainsi dit le Seigneur. Et donc vous voyez, quand il y avait des choses plus grave. Parce que vous savez, je vous avais dit un jour que le prédicateur du Nouveau Testament, c'est un prophète. Et un prophète dans son rôle prophétique, il dénonce. Il dénonce. Il dit des choses qui ne sont pas correctes. Les gens peuvent ne pas le comprendre. Mais quand il est dans son rôle prophétique, il doit dénoncer cela. Alors, c'est pourquoi Frère Branham dit que ce que je dis là, c'était au-delà de la politique. Parce que ça présentait de grands enjeux pour la politique, pour le pays. Je vais terminer, nous allons prier. Josaphat. J'ai parlé de Josaphat plusieurs fois ici. Josaphat, quand il a eu la guerre, Josaphat a regardé là où il était. Il a regardé
les limites du territoire où il était. Les limites. Et il s'est dit, quand je regarde ces limites, et que je rentre à la parole, je trouve que cette portion de la terre m'a été donnée par Josué sur inspiration de Dieu. C'était ma montagne. C'était ma partie. Maintenant, il y a des gens qui viennent pour me déloger. Alors ce n'est pas moi qu'ils combattent. Ils te combattent toi. Qui m'a donné cette partie. C'est la même chose. Nous avons reçu une portion de la terre avec toutes les richesses que Dieu a mis là-dedans. Nous voulons y rester et vivre de ces richesses. Parce que c'est notre portion. Des grands penseurs disent, vaut mieux mourir que vivre à genoux. Vaut mieux mourir que vivre à genoux. Mieux vaut mourir kufwa que kuikale ni moyi mutobini. Mbilenga nashi kufwa hamuto wawe kuikale ni moyi kadi muikale kubinu. Vaut mieux mourir mbilenga nashi kufwa que vivre à genoux hamuto wa kuikale ni moyi kadi mutobinu. Et un autre penseur a dit, vaut mieux mourir que supplier. Je préfère mourir que avoir ce qui m'appartient. Et les gens veulent m'arracher ça. Et je dois les supplier. Je dois les supplier. Il faut mourir. C'est pourquoi j'ai lu Frère Branham dit, pour votre nation, même pour mourir pour elle, vous pouvez mourir. Est-ce que tout le monde dit amen? Est-ce que vous êtes prêts pour compris pour notre nation? Nous allons nous mettre debout. Sur le Congo solitaire, Nitimba musamba o.
Di tulokum pala ko eba kwa tijila oye waka mba munda mwa jije eba ni mbu waluka na bonso nuluwa yikunji ni mite ndekenu ni milombu mujina di amukalenga Yesu Kristo zambi omo yu wachende lela mo profeta hendudu wa mba ni Jebe ditu dibika la tulomba. Itu sinye jisambile jetu ni jini ya Yezu mbienza anubuni Yezu mwina kuilumika la musambila. Zambi wa mwoyu wa chende lele mwabe utu dibalwa. Mwakumono mshundu kari mwakuku kwa chila mwalubwa mviti dibubika la batuela. Mwakalenga Yezu Kristo ni mtu hechidu tungedi mwewa. Waka heshe mtu ni mtu mwenda bulaba. Kadi mwona ni mulwishi ni mwenyengi uduka sonsola bantu bakwa hapo bwana mwona mshindo kadi mwakwa ngata chetu zambi wetu ni mkalenga wetu tetu katwena wakuita bacho cha chito bwalo kusomba mubundu nkufa matukoso mkalenga moyo wa chendelela mwona kwa chintu dibala mwabe utetu mudibana beba Njimvuluka ni uduwamba munda mwajijebe ni chisamba chebe chochegele chidisangisha
chidichikala chivuala jina jeba chochi chenu lubile kujuwe mujulu mujujuwa andamuna mukalenga Yesu Kristo lubigala dijengene jitalala bwalu tetuka twindi talala katwa kukutumbisha katwindi talala katwa kukusambila katwindi talala katwa kuyisha katwindi talala mukalenga Yesu Kristo kakwenda chenzeka na shicho matope wewe udi mwanyi sheni bwa mutanchu mukesa twantu kala bashala basomba hasha habantu aha nchabushwa kwa nitu kala mokuye mujulu bakuye kasanka kadi wewe wa udi mwamba kabijini udi mwe kala mutu heshe wetu mwaba utu nchabwa kwa kala basomba anatanda wa nitu kujulu pek mukalenga Yesu Kristo babu na bwana butu tuluila mabanji yetu tudi tuluile kujo kwetu tudi tuluile kuno kwetu bwalo kato ena tumvu ni muntu mukwabu uri mwa kwangata chetu chintu kuchija tetuko shala bupu mwabu kuna shato pek alimo profeta mwenu duwa ambani jibi didibatoka baluisha ba enje halwa ngaji bumvita hahangi janga njibu batoka bumvu ni tushibe ibizo bidibuba jibi wali kibi bibeheshe bukwa na bako tulisha mvita mo profeta duwa ambani bashibe ibizo bionsu ndeke luwa bionsu kulo kushibe ya ba enje kuchingoma wali baka fubateke teninzala pindye mo profeta duwa ambani bumeme muika la muabamu mvunto kuchaba enje ngangate disangi shijani tubwele mwishila wakumunu mshilu kani waku reklame zambi wa moyo wa chendelela kichitu di munga chumwa kwenza pinjewu badiba shibeye bizombi yetu badiba tunyenge kuje nukuno kwa bana betu katu enu mwakuitaba na kutopere tuwajishimunda mwachanza cheba basantu bebebe dimbila kumpala kweba zambi wa mujulu chitu mugumanya bunza zambi tufishache samba cheba bundu bwalu di mwamba ni chitu kalombu chonsu kudi tatu mudi ndebuwe ni kaloma kutuheshachi tudidijingini jitalala tudidijingini kutanta kwa misoku ye tudidijingini kutalala kwa kutanta kwa ditunga jetu zambi wa moyo wa chendelela tuji tukulomba ni uwe kaloma kuteli jidisambile jetu ababonsu badibalongo lula maplan mabi wakumono mshudu kani mwako stabilize kudestabilize jitungeji tuji tuba kondane mudi ndamukelenga Yesu Kristo tuambe ni plan ya buyonsu ya mumayi kabene ni chaheta buna ashe chimwa zambi wa moyo wa chendelela tuasagidila wadikala mutu hesha mpungewu tuasagidila wa mpasta wetu tuasagidila wadikala mutu anda mune kutisambile jetu tuasagidila wa buyonsu wa mutu mbibu wa tatu mune ndamukelenga Yesu Kristo amen.